Salut tout le monde, c'est Dalkai, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo particulière. Je vais vous présenter la Garmin VivoActive, une montre connectée. Je tiens à préciser avant tout que ce n'est pas une vidéo sponsorisée parce que beaucoup me le demanderont ou se le demanderont. Non, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est un cadeau que j'ai eu à mon anniversaire il y a de cela 2 ans maintenant, ouais exactement il y a 2 ans. On m'a offert cette montre parce que je pratique des activités sportives, peut-être pas forcément à haute intensité, mais j'en pratique et c'était quelque chose qui me plaisait. Donc voilà. Garmin VivoActive montre smartwatch connectée, multisport bien évidemment, je vais y revenir là-dessus puisqu'il y a un tas de différentes montres Garmin, vous pouvez aller faire un tour sur leur site. Et ça a été vendu avec une ceinture cardio-fréquence mètre, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore de cardio au poignet sur les montres Garmin. Et comme je l'utilise au quotidien et que je fais pas mal de sport, ça m'a donné envie de vous la présenter parce que ça concurrence quand même fortement les montres qui sortent maintenant, les grandes marques de téléphone, on va pas les citer. Cette montre coûtait à l'époque, maintenant je pense qu'elle a dû changer de prix. Alors je sais où on me l'a acheté bien évidemment parce que j'ai eu un ticket de caisse sans prix, donc on me l'a acheté à un magasin de sport qui commence par D4 et qui finit par Thlon. Et j'avais été voir sur le site combien elle coûtait. Elle coûtait quand même déjà 250 € à l'époque, avec une offre, il me semble que c'était 1 € ou 5 € de plus, on avait cette ceinture cardio-fréquence mètre. Alors, on va commencer à déballer. La montre, elle est dehors, la ceinture, elle est dehors, mais je voulais vous montrer. Donc ici, vous aviez la montre qui était dessus, bien emballé dedans, on va y revenir après. Et on a un guide de démarrage rapide et un manuel, en français bien évidemment, avec plusieurs langues. Ça, c'est ce qui était collé ici sur l'écran, je l'ai gardé, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est le chargeur. On va essayer de le démêler, parce que je l'utilise quand même assez souvent. Alors, chargeur qui est aimanté, vous avez vu, pourquoi aimanté? Oh putain, je vais tout péter. Pourquoi aimanter? Tout simplement, vous allez venir, regardez ici derrière, on a des capteurs. Vous allez venir ici le mettre sur la montre et puis voilà, ça ne bougera plus. Vous pouvez la connecter via une prise secteur. Bien évidemment, il faut un adaptateur parce que si vous mettez ça directement dans la prise, bim bam boum, adieu, au revoir. Et vous pouvez le connecter également sur votre PC. Il va falloir télécharger un logiciel Garmin Express qui va vous permettre d'avoir un champ de données et de pouvoir faire des mises à jour, déjà faire des mises à jour de votre montre, la recharger si vous le souhaitez, parce qu'elle est rechargeable via USB, bien évidemment, il n'y a pas de pile. Et également avoir un champ de données énorme par rapport à toutes vos activités sportives et même des activités au quotidien. On va y revenir rapido. Je vais vous présenter la ceinture. C'est une ceinture que vous attachez ici à votre poitrine. On a 4 capteurs, 1, 2, 3, 4, qu'il faut normalement humidifier un peu avant de la mettre. On a ici le cardio fréquence mètre qui est détachable. Alors vous voyez, je vous le dis, ça date quand même parce que je l'utilise assez souvent. Quand vous lavez votre ceinture, vous pouvez la laver de préférence en machine à 30 degrés, me semble, si je ne dis pas de bêtises, ou à la main. Ne jamais la mettre au sèche-linge, par exemple, et toujours enlever ce capteur. Ici, vous avez 4 petits vis. Parce qu'à l'intérieur, il y a une pile, c'est une petite pile ronde, plate, je ne sais pas comment ça s'appelle, CR, je ne sais pas trop quoi, CR7, genre Cristiano Ronaldo, quoi. Je déconne. Une fois que vous avez séché votre ceinture, vous remettez là-dessus. Normalement, c'est assez simple d'utilisation. Une flèche vers le haut, une flèche vers le haut, à moins d'être vraiment un babache. Voilà, ça se clipse assez facilement. Vous pouvez l'ajuster à votre corps. Moi, vous voyez, je dis pas que je suis fort, mais bon, voilà. Alors, ouais, c'est ça. Non, 40 degrés, je dis de bêtises. 40 degrés, on pourrait faire 7 exercices, courir 7 fois, par exemple, ou 7 fois faire du vélo et la laver. Alors, pas de repassage, pas de sèche-linge, etc., etc. On va passer au concret. La montre. Alors, ici, comme ça, moi, j'ai mis un petit écran film plastique que j'ai acheté à part. Alors, elle est électro-luminescente. On va regarder un peu tout ce qui s'y passe. Quand on slide, attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, si c'est ça, c'est parce qu'elle est un peu humide. Ouais, voilà, parce que je me suis lavé les mains juste avant de faire la vidéo. Ici, vous avez moniteur de fréquence cardiaque connecté, parce qu'il est juste là. Normalement, il y a 3 mètres. Ça, c'est la distance que j'ai parcourue aujourd'hui. J'ai fait 250 mètres, hein, c'est pas grand chose. Ici, en attente des données météo, il faut que je la connecte en Bluetooth.
Ici, vous pouvez jouer votre musique, changer de morceau, augmenter le volume et autres de ce que vous avez sur votre téléphone. Virb, je ne sais pas comment on appelle ça exactement. C'est une caméra style GoPro hein, que Garmin met en vente. Vous pouvez directement la connecter et la gérer ici, directement sur votre téléphone. Calendrier, je n'ai aucun événement, aucune notification. On va aller dans les menus. Ici, vous avez la course à pied. Voilà, vous déclenchez ici course à pied, on a trois champs de données. Là ici GPS, je suis en intérieur, il a été trouvé assez rapidement. Le Bluetooth est connecté, la fréquence cardiaque est également connectée. Vous avez distance circuit, chrono, allure circuit, fréquence cardiaque, zone de fréquence cardiaque moyenne, donc la distance chrono. On peut le déclencher à tout moment. Voilà, vous déclenchez ici votre course. Une fois que vous avez fait votre course, alors, quand vous courez, vous pouvez regarder votre montre. Voilà, l'écran, il change à chaque fois. C'est moi qui l'ai mis assez rapide parce que j'aime bien voir un peu tous les champs de données. Et puis quand je cours, je regarde pas forcément ma montre au quotidien. Une fois que vous avez terminé votre course, vous appuyez ici. Voilà, votre course se termine. On va attendre quelques instants. Soit vous enregistrez. Mais là on va pas l'enregistrer, soit vous mettez dans le corbeille si ça vous a pas plu ou que vous avez arrêté pour x ou y raison. On a deux boutons sur les côtés, j'ai oublié de vous préciser ici pour activer certaines fonctions dans les menus et ici pour l'allumage démarrage, ça on le fera après. On a la possibilité aussi de faire du vélo, hein, distance, chrono, vous avez même la vitesse tout simplement pour voir à quelle vitesse, allure vous roulez. Comme c'est connecté via GPS, ça permet d'avoir son allure en vélo. Temps de circuit, vitesse moyenne, zone de fréquence cardiaque moyenne. La natation également, temps intervalle, distance intervalle. Là, je ne l'ai jamais fait parce que je ne vais pas souvent à la piscine. Vous pouvez faire du golf. Là, il faut un attendre du signal GPS. Tout simplement, il y a des parcours de golf qui sont préenregistrés via le site. Et vous pouvez les retrouver directement sur votre montre. De la marche, si vous avez envie de faire de la marche. Voilà, pareil, hein, vous retrouvez un peu les mêmes choses. Ici, détecter, ça va normalement détecter mon téléphone qui est juste à côté. Téléphone a été trouvé, donc voilà. Là, j'ai mon téléphone qui... J'ai un petit cheveu, voilà. Donc voilà, mon téléphone a été trouvé. Si jamais ben, vous n'êtes pas avec votre téléphone, eh, mais c'est bon, j'ai trouvé mon téléphone, calme-toi. Donc ici, vous pouvez faire aussi de la course sur tapis, indoor, du vélo à l'intérieur et de la marche à pied en intérieur, tapis de course peut-être. Vous avez la même chose. Voilà, ici, c'est le vélo, hein, distance, chrono, vitesse. Ici, MyCar, ça c'est un truc que j'ai téléchargé moi-même en fait, parce que je vais vous montrer rapido après. Il y a un site où vous pouvez télécharger pas mal de petites applications que vous pouvez mettre sur votre téléphone. Malheureusement, la mémoire n'est pas énorme, donc il va falloir sélectionner. Donc si par exemple vous êtes à un endroit, je sais pas, moi, un parking de supermarché, vous activez MyCar, il va vous mettre un petit signal GPS, là, véhicule location. Donc vous localisez votre véhicule, vous partez faire vos courses. Souvent quand vous ressortez, je sais pas moi, du supermarché, vous savez plus où vous êtes garé, vous allez sur MyCar, il va demander d'attendre le signal GPS et là je sais plus comment on fait, je pense qu'il faut d'abord le localiser et puis boum, il va vous mettre une petite flèche pour vous diriger vers votre véhicule. Comme je suis un peu des fois perdu, voilà. Stop watch, je sais plus c'était quoi ça, c'était pour moi faire du fractionné, je crois. Ouais, c'était pour moi faire du fractionné ou quelque chose du genre. Ensuite vous avez les paramètres, cadran de montre, vous pouvez en télécharger numérique. Garmin analogue, par exemple, vous voulez prendre une horloge, voilà, ça vous fait un truc analogue, vous pouvez changer comme ça à souhait vos cadrans de montre. Moi j'aime bien celle-là, la Garmin, je sais pas pourquoi, je la trouve sympa. Et non, c'est pas celle-là, c'est Moderno, je crois. Je l'utilise assez souvent. Alors ouais, Moderno, voilà, moi j'aime bien celle-là parce qu'on a un peu un tas d'informations. Voilà, on peut voir en bas le nombre de kilomètres que j'ai fait aujourd'hui. Je n'ai pas bougé au moment où je fais cette vidéo, il est midi 30, mais bon, je n'ai pas bougé, on est le 30 novembre. Il reste 50% de batterie, enfin voilà, après, qu'est-ce que je peux vous présenter également? Ici, vous avez vos capteurs, GPS activé, fréquence cardiaque activée. Vous pouvez en ajouter des nouveaux. Par exemple, si vous allez sur le site de Garmin, vous allez voir que vous pouvez acheter un petit truc qui s'apparente un peu
à ça, mais en fait c'est un thermomètre, vous pouvez le mettre soit sur votre sac à dos ou sur votre chaussure pour vous donner des données météorologiques. Bluetooth, vous pouvez paramétrer le Bluetooth, profil utilisateur, vous pouvez mettre une alarme, si vous mettez une alarme elle vibre sur votre poignet. Système, langue, horloge, rétroéclairage, vous pouvez touche alarme. Ouais, il y a pas mal de petits réglages. Vibration. Alors, vous avez le choix entre standard, longue, très longue, courte. J'ai bavé sur mon téléphone. Putain, débarque. Voilà. Alors, on va faire un petit tour rapido sur l'application Garmin. Ça, c'est un aperçu. Ouais, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, vous voyez, une synchronisation ici, on va masquer. Comme je vous l'ai dit, vous avez un classement qui peut être fait ici par rapport au nombre de pas, je me suis pas mis. Un calendrier de toutes vos activités. Ici, vous avez autres activités, statistiques de santé, entraînement, parcours, segments, etc. Vous avez la boutique, parce que la beauté, mon accent. La boutique pour Vivo Active, vous avez le choix entre plusieurs choses. Hein. Non, ça c'est pour les plus vus. Vous avez le choix entre des applications, des data fields, des watch faces. Tiens, on va regarder les watch faces. Il y en a énormément, hein. Franchement, il y en a énormément. Vous pouvez à souhait configurer et rendre votre montre comme vous la souhaitez, à votre image. Vous pouvez même, après, si vous êtes bidouilleur, vous le faire vous-même. Voilà. Ensuite, un truc aussi sympa par rapport à Garmin, c'est qu'ils ont sorti un truc qui s'appelle Face It. Alors moi, je m'étais amusé à faire un BMW. On va en faire un... Allez, on va le modifier. Bon, vous allez rigoler, un BMW, Dalkai, il a une BMW. Voilà, donc ici, j'ai mis mon logo Dalkai, machin, nanana. On va choisir ça, on peut choisir ça, on peut choisir ça. Tiens, on va choisir ça, on fait terminer, envoyer à l'appareil. Donc là, il va me demander de me connecter à la Vivo Active, génération de votre cadran de montre. Ok, prêt pour la synchronisation. Donc là, il va synchroniser ma montre, en toute logique. La synchronisation va se faire assez rapido, normalement, puisque c'est juste une watch face. Et puis, vous allez voir, magie de ce petit logiciel Face It. Franchement sympa, c'était pas forcément quelque chose que j'attendais, hein, mais une fois que j'ai découvert, c'était quand même assez sympa. Donc voilà, après moi, par rapport à la montre, j'ai pas forcément autre chose à vous dire. Il y a un tas de montres Garmin, hein, pour ceux qui veulent faire du trail, pour ceux qui veulent une montre un peu plus sportive. Ça, j'aimerais bien la tester, moi c'est la 630 ou la 235 de chez Forerunner. La Fenix 3 aussi me botterait pas mal, enfin il y a un tas de montres assez sympas. Color of Day, ah oui, ça c'est un cadran de montre aussi sympa. Chaque jour vous avez une couleur différente. Là regardez, aujourd'hui c'est vert, mais par contre c'est en anglais Wednesday, 30 November, 30, 13, je sais pas comment on dit là. Allez, on va attendre. on va attendre. Il reste plus grand chose. Bon, de toute façon, je vous ferai un petit peu des petites coupures, hein, sur la vidéo, enfin de... Voilà, maintenant, vous voyez, maintenant j'ai ma montre avec mon logo YouTube qui apparaît. Donc voilà, c'était la petite présentation de la Garmin Vivo Active. En tout cas, j'espère que cette première vidéo sur Dalkai Tech vous aura plu. Vous avez maintenant une petite playlist où toutes les semaines, j'essaierai de vous faire une petite vidéo d'un nouveau produit. Maintenant, on va passer directement au petit champ de données qu'on peut retrouver via le site Garmin Connect. On se dit à tout de suite. Eh bien, nous voici via Garmin Connect. On est sur la page web. Donc, j'ai fait des captures d'écran, hein, pour vous présenter rapidement. Il faut vous créer un compte, hein, sur Garmin Connect, bien évidemment. Liez votre montre, hein, qu'elle soit Vivo Active ou Phoenix ou Forerunner ou enfin, il y en a un tas d'autres. Donc ici, une course où vous pouvez voir que j'ai masqué un peu la ville, mais j'étais un peu con puisque bah il y a un tas de villes qui sont représentées ici autour de nous, et du coup bah j'ai masqué en haut pour rien parce que il y a la map, je suis un peu con, mais c'est comme ça. Donc le jour où je courais, il faisait un
petits 13 degrés de vent de nord-est, 8 degrés 9, donc 14,42 km, 1h03, 4 minutes 25 en allure moyenne, gain d'altitude 43, et puis 1058 calories. Alors ici, vous n'allez pas le voir forcément puisque ben c'est un screen, mais juste en bas de la map, vous avez une icône play, et puis vous pouvez voir en vert et en rouge départ-arrivé. Quand vous cliquez sur play, ben, ça vous met le petit curseur noir et blanc que vous voyez sur la map qui vous permet de voir un peu comment vous avez couru. Enfin, ça vous retrace votre parcours, bien évidemment. Ensuite, en seconde image, je vous ai pris par les champs de données. Les champs de données en rapport à cette course. Vous pouvez voir l'altitude. Enfin, moi, c'est ce que j'ai. Hein. L'altitude, l'allure, la cadence de course. Donc ici, vous avez la dynamique de course, l'altitude, le chronométrage, la distance. Et puis, la dernière petite image, c'est votre montre. Votre montre qui est... qui est affiché avec le dernier logiciel à jour, le correction d'altitude, voir si elle est activée ou non. Et puis, bah, vous pouvez mettre une paire de baskets. Là, ici, moi, je courais avec les Nimbus 18. J'en ai une autre paire, les Nike Running Fly 2. Et puis, il y en a d'autres. Je les ai pas tous mis, parce que je courais essentiellement avec les Nimbus et les Nike en ce moment. Enfin, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Dalkai Tech. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre cette playlist Dalkai Tech en favori, puisqu'il y aura logiquement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au moins une vidéo par semaine. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.